Bonjour, bienvenue à Orléans. Je m'appelle Armand. Certains me connaissent avec les vidéos que je fais sur YouTube, qui est la chaîne Fencing Brothers. Mais avant de faire des vidéos sur YouTube, je suis avant tout un athlète au club d'escrime d'Orléans. Donc je vais vous présenter mon club. Allez. Alors à Orléans, il y a trois entités. Il y a le club à proprement parler. Donc c'est un club classique qui propose de l'épée et d'un côté aussi du sabre. Dans le club, il y a des plus jeunes, des seniors en loisirs et des vétérans. Il y a une autre entité, un autre groupe, c'est l'Académie Bauer. Et puis il y a un troisième groupe, c'est le centre de formation, donc qui est en partenariat avec la fédération dans lequel je suis depuis 4 ans. Et donc c'est pour les cadets et les juniors. En France, pour bénéficier d'un entraînement de haut niveau, il y a plusieurs choix. On peut faire le choix de rester dans son club, qui marche pour plusieurs personnes. Il y a après passer par le Pôle France, qui est actuellement à Bordeaux. Et puis il y a aussi les centres de formation, donc il y en a plusieurs en France. Il y a Mélan, qu'on connaît pour organiser l'Eurosabre en cadet. Sean Team. Oh, contre-attaque lourde de Taylor. Oh là 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 là. Riposte de gauche. Il y a Pau, Tarbes et Orléans, qui est le majeur centre de formation en France. Au centre de formation, il y a plusieurs entraîneurs. Tout d'abord, il y a Arnaud Schneider, donc qui s'occupe du sabre cadet junior, hommes et dames. Comme adjoint, il y a Nicolas Rousset, qui lui est du coup adjoint au centre de formation et en même temps s'occupe des cours au club pour les plus jeunes et pour les vétérans. Et enfin, il y a aussi Thomas Martin qui s'entraîne le matin à l'académie et qui aide Arnaud dans les entraînements pour donner des leçons aux cadets et puis aussi pour nous faire des entraînements d'escrime. Donc chez les cadets et les juniors, en termes de résultats, Orléans c'est le premier club en France. Que ce soit à l'échelle nationale, en résultat national ou à l'international. Par exemple, sur les 12 juniors sélectionnés en Coupe du Monde Junior cette année, il y en avait 6 qui venaient d'Orléans. Donc ce qui représente la moitié de l'effectif. Et puis chaque année, chez les cadets, chez les juniors, chez les hommes et les dames, on a des qualifiés en équipe de France pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et du coup, au sein de notre centre de formation, il y a un peu aussi deux sous-groupes. Il y a les lycéens, du coup les cadets et les juniors première année, et les universitaires. Les lycéens, ils sont au lycée en journée, et ils s'entraînent tous les soirs. Nous, les juniors, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc le soir, on s'entraîne avec les cadets tous ensemble. Et le matin, on a la chance de pouvoir s'entraîner aussi en petit effectif. Donc on s'entraîne en petits groupes de 6, 7, 8 en fonction des jours. Et aussi, on a la chance, une fois par semaine en moyenne, en fonction des compétitions, de pouvoir s'entraîner avec l'académie, de pouvoir partager une séance ou plus généralement une séance d'assaut. À Orléans, on est quand même pas mal chanceux, on a des bonnes conditions d'entraînement. Alors, on a la chance d'avoir 2 salles d'armes, ce qui est très rare en France, au sein d'un même club. Donc, il y a une salle d'armes, la salle d'armes du club, qui dispose de 24 pistes. L'académie s'entraîne de environ 9h à 13-14h dans la salle d'armes. Et après, en fin de journée, la salle d'armes est divisée une partie pour l'épée, une partie pour le sabre. Donc, 12 pistes pour le sabre le soir. Et ici, au lycée, on a aussi une salle d'armes. On a un gymnase qui peut servir à la préparation physique, une mezzanine avec des pistes pour donner des leçons, et puis une autre salle d'armes qui dispose d'une dizaine de pistes pour pouvoir s'entraîner. Donc on s'entraîne 2 fois par semaine au lycée et 2 fois par semaine au club le soir. Hop, allez. Donc je m'appelle Rémi Garrigue, j'ai 18 ans, donc j'étais junior 2 cette année, je vais passer junior 3. Et je suis au club d'Orléans et je suis en équipe de France junior. Quand j'étais junior 1, donc l'an passé, j'ai été 3e au championnat d'Europe. Et cette année, j'ai gagné une Coupe du Monde à Budapest. Mon ambition, moi, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Donc là, pas forcément aux Jeux Olympiques 2024 parce que bah, je serai encore jeune, mais 2028 à Los Angeles ou ceux d'après même. Moi, celui que je regarde beaucoup, c'est Osengoupe. Donc c'est celui qui vient de gagner la dernière Coupe du Monde. Donc il m'inspire beaucoup parce que voilà, il est impressionnant sur la piste. Et ouais, c'est un tireur que je regarde beaucoup, c'est principalement lui. Ouais. Donc notre groupe, on est nombreux et donc il y a beaucoup de monde. Donc il y a de
des gens qui pratiquent l'escrime de toutes les manières. Donc on peut affronter un gaucher, un grand, un petit, et puis on a aussi un groupe fort, donc on a pas mal de gens qui font de résultats, il y a Evan Giraud, puis même il y en a qui sont moins connus comme Benjamin, Armand, Evan et Jean. Bah déjà c'est des maîtres d'armes, ils me suivent depuis longtemps, donc Arnaud je suis arrivé il y a 4 ou 5 ans, il était déjà là, donc ça, j'ai fait tous mes résultats, toutes les compétitions, je les ai fait avec lui, donc il m'a beaucoup aidé à monter. Et voilà, il est rigoureux et il faut que tout soit bien en place et voilà, il est strict, on va dire. Du coup, je m'appelle Evan Giraud, j'ai 18 ans. Je fais mes études à l'université et du coup, je fais de l'escrime au cercle d'escrime orléanais. Moi, je suis d'Orléans même, j'habite à Orléans, juste à côté d'Orléans. Je tire pour le Niger, ça fait 2 ans là. Là, mon dernier résultat, c'est 6e au championnat du monde junior, vice-champion d'Afrique cette année. Beaucoup de résultats cette année qui arrivent cette année du coup. Mon ambition proche, là, c'est pour 2024 aller au JO. Après, essayer de gagner une Coupe du Monde en junior l'année prochaine et faire une médaille au monde. Et après, essayer de m'améliorer toujours plus en senior pour arriver au top. Ça, c'est mon objectif. Mes inspirations, Daryl Homer, j'aime bien son jeu, je discute avec lui, il m'inspire et il me supporte aussi du coup. On a un groupe qui est fort, là, un grand mélange de diversité d'escrime. On s'entraîne aussi parfois avec l'académie, du coup on s'entraîne avec des tireurs olympiques. Et même on a notre coach, moi ça, j'ai toujours été avec lui quasiment. C'est lui qui m'a mis dans le projet du Niger et sans lui, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Tous les juniors avec qui on s'entend bien, on est 6-7 et avec qui on tire. Et franchement, le groupe cette année, ça nous permet de toujours aller plus haut et plus loin. Du coup, bon groupe. Arnaud, il est entraîneur, c'est son métier, mais avant tout, c'est sa passion. Du coup, il kiffe ce qu'il fait et quand il fait quelque chose, il le porte au bout. Moi, mon projet, c'est avec lui que je commence et là, il me porte jusqu'en 2024, c'est notre objectif. Et pour moi, il entraîne bien, il connaît l'escrime. Et de toute façon, quand il me dit de faire un truc, je le fais et la plupart du temps, ça marche. Moi, je suis Arnaud Schneider, donc maître d'armes au club d'escrime d'Orléans. Je suis le responsable de tout ce qui se passe au niveau du sabre, des jeunes. Avec Nicolas Rousset et des moins jeunes M17, M20 sur le centre de formation du club et aussi d'aider et de faire mon maximum pour que l'académie de Christian Bauer puisse être la plus performante possible. Donc quand ils ont besoin de mon aide, je les aide aussi pour surtout la logistique, on va dire. Alors la première qualité pour moi, c'est ils sont très soudés. Ils sont très soudés, ils partagent beaucoup de choses. Il y a un point fort, c'est qu'on mélange filles et garçons. Et pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour diverses raisons que je ne vais pas développer maintenant. Mais voilà, pour moi, c'est important que les filles et garçons se mélangent. Ensuite, on a aussi tous les âges, donc de M17 première année jusqu'à M20 dernière année. Et peut-être que même l'année prochaine, on va garder des seniors. Des jeunes seniors qui vont attendre la fin des Jeux Olympiques de 2024 pour pouvoir basculer au-dessus, on va dire. Donc voilà, mais la vraie force, c'est ça. Et après, c'est le nombre de maîtres d'armes qu'on a avec moi, avec Thomas, que vous voyez derrière, Thomas Martin, avec Nicolas Rousset, et avec tout l'encadrement, les kinés, docteurs, psychologues, préparateurs mentaux, préparation physique aussi, on a un préparateur physique. Et ils s'entraînent dans ce lieu, donc à l'intérieur de l'établissement scolaire. Donc du coup, ça permet d'avoir l'internat, le lycée pour les études et la salle d'escrime que vous voyez ici, qui est une belle salle d'escrime pour une structure comme celle-là dans un lycée. Alors pour moi, la première valeur, c'est la discipline. C'est une valeur qui est indispensable dans la vie. Mais aussi dans la vie de groupe,
parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe c'est très important. Pour moi, l'escrime c'est un sport individuel mais à progression collective. Donc la notion de groupe est très importante, et donc dans une notion de groupe, c'est la vie en société, le respect, la discipline, c'est extrêmement important. Et après, donc arriver à l'heure, partir à l'heure, dire bonjour, dire au revoir, mais aussi la discipline, c'est aussi être capable de s'entraîner dur, de sortir de sa zone de confort et de pas rechigner à l'effort. Ça, c'est pour moi, c'est partie de la discipline. Après, sur ce que je leur apprends, ce que j'essaie de leur inculquer, on va dire, et de leur donner c'est le jeu. On fait un jeu. On fait un sport de combat, mais c'est surtout un jeu. Donc, le combat, la discipline, hein, et le jeu. Et pour moi, même jouer, il faut être discipliné pour jouer. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu sais qu'une action fonctionne, tu ne la fais pas parce que tu n'as pas de discipline, tu fais autre chose, et puis tac, 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 et puis tu t'en vas, et tu ne contrôles plus la situation. Quand on veut contrôler la situation, quand on veut contrôler son adversaire, il faut de la discipline. Alors pour moi, en cadet, la première chose qui est importante, c'est de leur donner toutes les bases techniques. Donc c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de leçons. Alors on essaye de donner beaucoup de leçons. On essaye aussi de faire beaucoup de travail collectif, que ce soit du travail physique, parce qu'apprendre des différentes coordinations, vous savez, des fois, il y en a qui arrivent ici, ils ont du mal à courir correctement. Courir, c'est facile. Courir correctement, c'est plus difficile. Donc avant d'être un escrimeur, il faut être un athlète. Donc on essaye de leur donner ça en cadet. Ensuite, on essaie de leur donner un gros bagage technique, qu'ils sachent faire à peu près toutes les actions de base, et tous les déplacements de base. Après, on leur donne cette notion de jeu, de jouer avec chaque action est une carte, et tu peux jouer avec toutes les cartes qu'on te donne et que tu maîtrises et que tu contrôles. Voilà. Après, en junior, l'objectif, clairement, il est de créer un jeu qui convient à l'athlète, avec son tempérament, avec son physique, parce qu'on commence du coup en junior à stabiliser le physique. C'est-à-dire que moi j'ai des tireurs, si on prend ceux que vous avez vus aujourd'hui, Rémi Garrigue, il a un très grand allonge, mais il est aussi très souple dans sa gestuelle, un peu moins explosif que Evan Giraud, qui est très explosif qui dégage une puissance, mais par contre qui est beaucoup plus petit que Rémi. Donc en junior, on commence à rentrer dans créer quel va être le jeu de l'athlète et quelles vont être ses bases et qu'est-ce qu'il va mettre en place comme jeu. Plutôt défensif, plutôt offensif, contre-offensif, en gardant toujours à l'esprit que tout est possible, ils peuvent tout faire, et le mieux c'est de savoir tout faire. Mais quel est ton jeu ? C'est un peu comme au foot, si tu disais quel poste tu vas jouer. Tu vois, à partir d'un certain âge, tu commences à déterminer si tu vas être attaquant, défenseur ou milieu de terrain. Pour moi, à partir de junior, c'est là qu'on détermine, sans avoir une règle très tranchée, mais si on sent qu'il y a une bonne maturité, que l'athlète il a bien évolué en cadet, là, on peut commencer à dire ton jeu, ça va être plus ça, tes actions, ça va être plus ça. Et puis, du coup, ça permet aussi de dissocier le jeu en général et les coups, les petits coups qu'il va pouvoir faire et qu'il aime bien, mais de temps en temps, un peu les bottes secrètes. Voilà. Et après, en senior, moi, ce n'est pas mon rôle, mais là, pour moi, ce qu'on va chercher en senior, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est gagner. Voilà, on parle. Que de ça, entre guillemets, c'est l'objectif. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est les trois étapes. Je pense que vraiment ce qui fait la force d'Orléans, c'est vraiment notre groupe. Alors même si individuellement, il y a des personnes qui se détachent du groupe en termes de résultats et qui sont plus fortes, qui font des résultats à l'international, vraiment notre groupe, on a un niveau qui est homogène et très haut. C'est-à-dire que même les gens les plus faibles de notre groupe sont quand même des bons tireurs. Donc vraiment, c'est ce qui fait notre force. Donc on est plus d'une vingtaine. Donc ça fait quand même des gros entraînements, un gros effectif. Sachant que sur les 20, il y a presque tout le monde qui participe aux compétitions internationales, que ce soit en cadet ou en junior. Donc ça fait vraiment un très bon niveau. Et donc nous, quand on s'entraîne ici, à la base, on a été formés dans un autre club pour la majorité d'entre nous. Certains ont été formés au club d'Orléans.
mais la majorité d'entre nous viennent de toute la France. Certaines viennent de régions parisiennes, de Bretagne ou d'autres parts en France. Donc on vient chacun, en général, de petits clubs. Et c'est quand même quelque chose de très fort de tous prendre notre licence à Orléans et tous représenter le même club. Même si à la base, on n'est pas d'un même club, on était adversaires, rivaux, on fait des matchs par équipe ensemble et on est tous ensemble. On s'entraîne en fonction des semaines, si elles sont plus ou moins chargées, en fonction des compétitions, entre 15 à 20 heures par semaine. Ce qui est très conséquent en France, ce qui n'est pas la norme en France pour des lycéens. Et donc en fait, vraiment, passer beaucoup de temps ensemble, et ben finalement, ça permet de resserrer des liens et créer une vraie cohésion de groupe. Alors évidemment, cette cohésion de groupe, elle reste sportive. C'est-à-dire que sur la piste, c'est la bagarre, c'est la guerre. En compétition, en compétition nationale, on sait qu'on va se rencontrer. C'est-à-dire que il y a des compétitions internationales qui sont importantes pour se qualifier pour les Coupes du Monde, et ben on va rencontrer des Orléanais. Donc à Orléans, c'est très plaisant de s'entraîner. D'une part, les conditions d'entraînement sont vraiment superbes. Il y a un beau groupe, un bel esprit de travail, on rigole bien ensemble, c'est très camarade comme esprit. Mais c'est aussi très sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des entraînements, quand c'est long, c'est 3 heures d'entraînement, 3h30. C'est de l'escrime, donc il faut répéter. Et donc c'est quand même très... ça demande beaucoup de rigueur en fait. Donc Orléans, c'est vraiment, je trouve, en tout cas moi qui ai fait deux clubs, du coup, un club qui m'a formé et un club de haut niveau, vraiment Orléans, ça reste une très bonne expérience.